Salut à tous, c'est Tranquille, on se retrouve à nouveau dans FF15 Comrades avec cette petite tenue Shadow of the Tomb Raider qui manifestement va mieux à Lara Croft qu'à mon perso. Enfin, c'est pas qu'elle va mieux, c'est qu'on voit qu'elle a pas été faite pour ce design de personnage là. Parce que tout de suite, bon, elle a l'air un peu plus grosse quoi, hein, ça lui fait des grosses cuisses et tout ça, mais en vrai, moi je trouve que mon perso il est bien. Hein. Les proportions relativement correctes, enfin, après voilà. Mais il fait pas bizarre. C'est pas trop disgracieux. Après, chacun ses goûts. Continuez comme ça. Et on va encore me taxer de trucs que je n'ai pas dit. Mais voilà, quand vous jouez à Shadow of the Tomb Raider, genre, ah là, le petit cul de Lara, machin. Parce que le truc, il est vraiment. Le design, il est fait pour. Voilà. Mais bon. Où c'est... On sent que c'est pas fait pour le perso. Bref. J'ai un tout petit peu farmé, c'est-à-dire que je suis niveau 32, je crois. Et du coup, on va pouvoir avancer un peu dans quelques trucs, mais pas beaucoup. Parce que... Alors, j'aime bien, c'est je vois la livraison nocturne de Cindy, et je vois direct un curl, et j'ai pas envie de la faire. Parce que les curls, ils sont relous. Rappelez-vous de ces saloperies, on peut faire le Morteuil et Catoblépas. Donc on va faire ça. Morteuil, il y a un niveau de plus, mais j'ai pas peur. Très bien, entendu. Faites attention à vous. Alors. Bon, j'ai remis le sort de soin de longue distance. Hein. Enfin, le plus grand. La plus grosse aire d'effet. Ah, déjà ça soigne plus. Et tant qu'à faire, voilà quoi. Ah oui, c'est vrai, Catoblépas. Putain, j'ai jamais fait gaffe, mais ils ont vraiment des têtes de cochons en fait. C'est des gros cochons. Si je puis dire. Alors vous, vous calmez tout de suite. Parce que finalement, on n'en affronte qu'un dans le jeu. Hein. Avec les quêtes de chasse. D'accord. C'est donc ça. T'inquiète pas, on arrive, Jean-Louis. Il nous a juste soufflé dessus, en fait. On est d'accord. Paf. Bonjour. Alors ça va être quoi son... Bon, les dagues ils s'en foutent. Manifestement les dagues ils s'en foutent. Les armes lourdes aussi. Les couilles des boucliers. Ouais les boucliers aussi apparemment. Ok il a une défense de porc. Ça va être génial. C'est l'empoisonné, hein. Ah,
Ah. Allez. Ils sont à la tête. Non, pas la tête, trop. Zut. Zut. Donc il a pas beaucoup de vie, par contre il a beaucoup de défense. Du coup, dès qu'il est en vulnérable, on le démontre. Très bien. Il faut le refaire tomber là. On passe à la demain. On va passer à la demain tout de suite. Paf. Et voilà. Une molaire. Sur mon doigt. Ah non, pas des tripes, c'est de la merde. Pardon, c'est des tripes. La meuf, on lui ramène quand même 8 milliards de trucs et elle prend juste le blé. Elle doit bosser sur YouTube. Voilà, c'est prêt. Pour se remonter le moral, rien de tel qu'un bon petit plat. Les rations de l'armée, ça remplit, mais c'est tout. C'est vrai que c'est pas fou, les rations de l'armée. Après, bon, c'est des rations militaires, hein, c'est pas fait pour être fou non plus. Je veux pas juger, hein, mais... Alors. N'empêche que le petit tatouage Léviathan, il est plutôt stylé. Hein. Bon, il doit faire très très mal à faire. Ceux qui se sont déjà fait tatouer hein, savent. Hein. La couleur. Le coloriage, c'est pas cool. Vous voulez voir vos photos? Pas de problème, y'a qu'à demander. Y'a qu'à demander. Gardez celles que vous voulez, c'est vos photos après tout. Certes. Là où je me dis merde, dans quelle galère on s'est fourré. Ishin, ça me donne envie de m'y remettre moi aussi. Ah bah t'as qu'à t'y remettre, au lieu de nous faire à bouffer là. C'est bon, nous on n'aime pas trop ça les planqués. Hein. Allez, on va essayer un niveau 33, on est niveau 32. Avec de la chance, on aura qu'une micro. Et eh ben voilà, Kenny Crow, niveau 42, ça va bien se passer, je pense. Il a moins de PV que moi. Par contre, il a beaucoup plus de défense, hein, encore une fois. Il a à peu près les mêmes stats que moi, peut-être plus en magie.
Oula! Ils sont deux. Il est cool ce décor. Ah mais c'est la... C'est la range de Chocobo en fait. Bon. On a Kenny donc go. Ils aiment pas les armes lourdes. Hein. Ok, donc Kenny il est en train de se défoncer l'autre tout seul, plus ou moins. Alors on va l'aider. Hein. C'était Mortail ? Ah merde ! Ah bah désolé. Deux fois Mortail, ça veut rien dire. J'ai une explication scénaristique. Hein. On l'a cloné comme dans Jurassic Park, avec de l'ADN de tortue et de grenouille, en le mettant dans les œufs d'autruche. Personne sait ce qui se passe. Ça, hein. Elle est content. Je m'occupe des petits. Hein. Amusez-vous bien, vous. Ça va, heureusement que c'est pas un gros. Un behemoth royal là, parce que eux ils sont vraiment vénères. Ils ont tellement de défense. Il y en a un dans la mission à faire avec. Une mission bonus comme ça à faire où en fait tu choisis soit Noctis, soit Igni, soit Combo, soit Gladio. Et tu progresses dans une espèce de mini scénario vers Insomnia, hein. Vers l'espèce de petite falaise qui est en face d'Insomnia, là, comme on avait vu au début du jeu. Et le boss, c'est un behemoth roi qui a une défense de psychopathe, qui met 10 ans à tuer. Donc voilà quoi. Moi je veux tuer lui. Ok, ah, c'est juste un behemoth niveau 45. Un méchant. Je suis sûr que tout va bien se passer. A donc DSTA le behemoth. Ouais, c'est un peu le bordel mais ça va. C'est bien, c'est qu'on te dit ouais c'est niveau 33 mais le boss il est niveau 45. Je veux rien dire. Tu m'auras pas. Tiens, tu as coupé l'ongle. Bon ça va, c'était tranquille avec Kenny. Il y aurait pas eu Kenny, je pense on aurait bien galéré. Merci Kenny.
Merci, Kenny. Voilà, tenez. C'est tout ? On peut pas avoir des cup noodles avec du behemoth ? Il faut bien manger. Oui. On ne peut pas se battre le ventre vide. C'est vrai. Ah si, on peut, mais on se bat moins bien. Alors, normalement, on va pouvoir libérer un chemin. Alors, on fait quoi ? Eh ben, on ouvre ici. Voilà, c'est fait. Super. Laboratoire très convoité. On ouvre ici. Soit on a 10 milliards de. La nuit perd du terrain. Le magasin hanté, ça a l'air vachement bien. Et un revenant de l'armée impériale. Hein. Bon, tout le reste est bloqué. Comme Orelsan. Bloqué. Rapporte plein de fragments. Oui. Très bien. Madame. Continuez comme ça. On compte sur vous. Putain, on a fait un bond de... On peut essayer ça, c'est 36. Ça me paraît tendu, mais on va tenter, on sait jamais. Bien entendu. Faites attention à vous.
Ah! Ah, du coup, ça va être compliqué. Je pense que là ça va être chaud quand même. Hein. Ah ouais, ça va être beaucoup trop dur ça. Ils sont déjà niveau 45, il y en a 4, il y en a 2. Ah ouais, c'est chaud. Parce qu'il y a un boss après à la fin, donc. La maison, elle est déjà, le laboratoire il est à mi-vie quoi. Ah ouais, c'est chaud. Beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'écart entre les deux. C'est pas possible. Pas avec ce niveau là, faut que je farme. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de... d'écart entre les missions. C'est là que tu passes à 33, direct 36, mais en fait les mobs ils sont niveau 45. Donc c'est super, mais... vous faites la moyenne entre les 3 squelettes niveau 12 et les 4 mini-boss niveau 45, mais c'est pas tout à fait pareil quoi. Dans les squelettes on est tout shot et les autres ils ont 1 milliard de PV. Je peux pas faire la moyenne des boss comme ça, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Ah ouais, c'est la loose, hein, mais bon. C'est pas ultra bien équilibré quand même. Hein. C'est pas fait pour. En fait, le jeu il est pas fait pour jouer tout seul. Hein. Ça me donne envie de m'y remettre, moi aussi. Et ça, c'est dommage. Parce que là, à part farmer. Là, c'est la baise. La livraison de Cindy. Et ouais, mais c'est niveau 35 encore, donc on va tomber sur des trucs. Bah, ça veut dire quoi, ça recommande niveau recommandé joueur 35 niveau, mais joueur 4. Et pourquoi la 11? C'est-à-dire qu'il y a 11 personnes disponibles pour le faire? Il y a autant de gens qui jouent au jeu? Je comprends pas. 0? Je comprends pas le. J'arrive pas à comprendre comment c'est agencé le bordel. Parce que là c'est pareil, c'est une escorte. Oh, c'est une escorte, c'est jouable ça. Ouais, je sais pas. Non, je pense qu'on va s'arrêter. Allez, à bientôt. Et moi je farmerai, j'essaierai de dériver jusqu'au niveau au moins 36 ou 37. Ça va être long. Donc voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine. Et j'enlèverai cette tenue qui me rappelle un jeu qui est, ma foi, fort moyen. Des bisous et à la prochaine. Salut.